Bonjour chers spectateurs, je suis Alexandre Soudarev, heureux de vous accueillir à nouveau sur la chaîne YouTube où je vous informe sur Sauvelmash. Beaucoup d'entre vous nous ont posé la question dans les commentaires. Où en est la roue moteur? Pourquoi avez-vous abandonné ce développement? Bien que dans nos émissions et vidéos, nous ayons dit à plusieurs reprises que les roues moteurs ne sont pas oubliées et que le travail se poursuit. Le travail est vraiment en cours pour obtenir de nouveaux brevets. Pour le prouver, nous vous montrerons ces nouveaux brevets que nous obtenons. D'autres travaux sont également en cours. Ce sont les travaux dont je vais vous parler maintenant. Rappelons-nous où tout a commencé. Voilà une roue moteur. Elle est assez lourde. Pour autant que je me souvienne, son poids est d'environ 20 kg. Cette roue moteur est le fameux Kolobok qui a passé les tests routiers. Au cours de ces tests, il a été vraiment tourmenté et il a survécu à de nombreuses épreuves. Ses bobinages ont été mouillés avec de l'eau lors des expositions à Monaco et cette roue moteur a également été accélérée à des vitesses énormes. Elle a roulé sous la pluie et dans la boue. Des tests ont même été faits sur des pistes de motocross. Donc je peux dire que notre Kolobok a subi pas mal d'épreuves. Pourtant, elle fonctionne toujours. Cependant, les spécialistes de Sauvelmash n'en sont pas surpris, car ils savent bien faire leur travail. Grâce à ces tests et à la mise en œuvre de la roue moteur dans le format d'un moteur pour un vélo électrique, nous avons pu montrer la faisabilité de cette technologie, ainsi que sa viabilité et un certain nombre de ses avantages. Maintenant, vous pouvez voir le rotor de cette roue moteur. Vous voyez ces plaques d'acier électrique et de cuivre. Cependant, ce cuivre a été fondu. Autrement dit, c'est une technologie assez coûteuse. De plus, le rotor est assez lourd. Grâce aux travaux qui ont été effectués dans les locaux que nous louons actuellement pour Sauvelmash, en particulier dans notre département de fonderie, grâce à cet outil et à de nombreuses autres machines que vous pouvez maintenant voir derrière moi, les spécialistes de notre société d'ingénierie ont mis au point la technologie de coulage des rotors à court-circuit avec de l'aluminium. Cela a été démontré par l'exemple des moteurs intégrés dont la qualité a frappé beaucoup d'entre vous, à en juger par vos commentaires. Donc c'est grâce à cela que nous avons pu arriver à ce point. Ce jour-là, le premier coulage du rotor en aluminium a été réalisé avec succès. Ce rotor est composé de sections et fabriqué en utilisant une technologie complètement différente. Tout cela est mis en œuvre grâce à l'équipement situé dans les locaux actuels de Sauvelmash. Et nous pouvons donc annoncer le premier coulage réussi du rotor d'une roue moteur. Voici la nouvelle que je voulais vous annoncer. Ensuite, avec ce rotor, nous devrons encore effectuer un certain nombre de travaux. Et je pense que le jour viendra bientôt où nous vous parlerons de ce qui se passera ensuite avec nos roues moteurs. Merci de votre attention. Écrivez vos commentaires sous la vidéo. Au revoir.